Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. C'est déjà la troisième que je vous propose ici en Colombie et cette fois-ci, on va s'attaquer à un gros morceau. Je veux bien sûr parler de la ville de Medellín, surtout célèbre parce qu'elle a vu naître le célèbre baron de la drogue, Pablo Escobar. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, la ville de Medellín ne se définit plus du tout à travers ce sombre personnage et on va essayer de démystifier un peu tout ça. Et dans une deuxième partie de vidéo, je vous emmènerai également découvrir la région du café en Colombie, très appréciée par les touristes. On a encore un programme bien chargé, surtout n'oubliez pas d'aller voir les deux premières vidéos que j'ai sorties sur la Colombie après avoir visionné celle-ci, et c'est parti pour un nouveau voyage. Alors, pour commencer, avant de vous présenter la ville de Medellín, j'aimerais commencer par répondre à une question: est-ce que la ville de Medellín est dangereuse? Plata o plomo. Eh bien, à ça, je répondrais qu'aujourd'hui, la ville de Medellín est tout autant sûre que n'importe quelle autre grande ville de Colombie. Bien sûr, il est toujours possible de faire de mauvaises rencontres, surtout avec tout ce qui est en lien avec la drogue, par exemple, mais dans le centre-ville et dans de nombreux autres quartiers de la ville, vous ne risquerez pas grand-chose. Donc déjà, pour moi, l'insécurité, c'est pas un argument valable pour rayer Medellín de vos envies de voyage. Maintenant que ça c'est dit, il faut savoir que Medellín, c'est une ville qui est très urbaine, il y a peu de végétation, et surtout beaucoup de buildings qui ont poussé un peu partout dans la ville au fil des années. Ce qui la différencie des autres villes de Colombie, c'est surtout son système de transport, et là vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts. C'est notamment la seule ville du pays qui comporte deux lignes de métro, en plus de son système de bus, et qui desservent tous les quartiers principaux de la ville. L'entrée dans le réseau de transport coûte 2500 pesos, ce qui en fait une option très abordable pour se déplacer. À ces deux lignes de métro sont reliées trois téléphériques, qui eux relient les collines alentour à la ville et desservent les quartiers un peu plus populaires. Vous n'aurez en principe pas besoin de les utiliser, à moins que vous souhaitiez faire un tour complet du trajet pour prendre un peu de hauteur et avoir une vue imprenable sur Medellín. En termes d'activités et de visites, Medellín compte bien quelques églises et quelques musées, mais c'est surtout la découverte de ces quartiers iconiques que j'ai trouvé intéressant. C'est au centre-ville, dans les quartiers del Poblado ou de la Candelaria par exemple, que vous trouverez des hôtels, des centres commerciaux, des restaurants en tout genre, ainsi que les monuments principaux de la ville. Vous pourrez aussi prendre une demi-journée pour aller vous balader dans le quartier Los Olivos, là où Pablo Escobar a vécu les dernières années de sa vie lorsqu'il était en cavale. Autour de la station de métro, il y a plein de petits restaurants très sympas qui vous serviront des plats traditionnels de la région, comme la bandera paisa par exemple. Mais le quartier à ne surtout pas louper, c'est la Comuna 13. Dans les années 90, la commune numéro 13 était réputée pour être l'un des endroits les plus dangereux au monde. En fait, c'est là que vivaient énormément des tueurs à gages qui travaillaient pour Pablo Escobar, et en échange, lui investissait beaucoup d'argent pour améliorer la vie des habitants. Il a d'ailleurs gardé pendant de nombreuses années après sa mort une image très positive auprès des habitants du quartier, mais j'ai l'impression que ça a déjà quand même un peu changé aujourd'hui. Trente ans après la mort de Pablo Escobar, ce quartier est littéralement devenu l'attraction touristique numéro 1 de la ville. Bon, il faut quand même que je vous avoue qu'avant d'y aller, j'avais quand même une petite appréhension. J'avais un peu peur de tomber sur une espèce d'attraction touristique un peu morbide à la gloire d'un homme qui a quand même des milliers de morts sur la conscience. Et j'ai été agréablement surpris de voir qu'en fait, pas du tout. En fait, c'était même le contraire. J'avais plutôt l'impression que les habitants avaient à cœur de montrer que cette sombre histoire autour du baron de la drogue n'était pas du tout représentatif de la Comuna 13. Pour vous dire, dans toutes les boutiques de souvenirs, et Dieu sait qu'il y en a, je n'ai jamais vu aucun t-shirt, aucun mug, aucun porte-clés à l'effigie de Pablo. Non, en fait, c'est plutôt l'art urbain, au sens large du terme, qui est mis à l'honneur. Vous rencontrerez des chanteurs et des danseurs urbains qui vous accompagneront tout au long de votre visite. Et de nombreux artistes sont présents pour exposer leurs œuvres. J'ai trouvé que c'était une revanche assez poétique que le quartier avait réussi à prendre sur son histoire. Pour faciliter vos déplacements dans ce quartier qui a été installé à flanc de colline,
D'immenses escalators ont été construits en 2011 pour relier le haut et le bas de la Comuna 13. Prévoyez plutôt d'y aller en après-midi parce que c'est là où il y a le plus de monde et que l'effervescence est à son maximum, et où vous pourrez aussi profiter de prendre un verre en terrasse. Par contre, sachez quand même qu'il est déconseillé de rester dans la Comuna 13 une fois la nuit tombée, et qu'il est aussi déconseillé de s'aventurer dans les petites ruelles qui ne sont pas ouvertes aux touristes. En dehors de Medellín, il y a plusieurs escapades d'une journée qui sont facilement organisables. Vous pourriez par exemple vous rendre dans la ville de Santa Fe de Antioquia pour admirer ces magnifiques édifices coloniaux. Ou alors faire comme moi et porter votre dévolu sur celle de Guatapé à 2 heures de bus de Medellín. Guatapé, c'est un peu un incontournable de Colombie et je suis persuadé que ces rues colorées ne vous laisseront pas insensibles. La ville à elle seule vaut déjà le détour, mais il y a deux activités qui devraient aussi vous intéresser. Déjà, la Piedra del Pañol, un immense monolithe qui se dresse comme ça au milieu de nulle part et qui offre une vue splendide sur les alentours. Pour la mériter, il vous faudra gravir les 659 marches qui vous séparent du sommet, et pour ceux qui, comme moi, ont le vertige, ce ne sera peut-être pas de tout repos. Et quand je vous parlais de la magnifique vue qu'on a au sommet de la Piedra del Pañol, c'est qu'en fait Guatapé se trouve au centre de centaines de lacs artificiels qui forment une multitude de petites îles. Il faut savoir que quasiment toutes les îles qui se trouvent sur les lacs de Guatapé sont privés. En fait, depuis l'époque de Pablo Escobar, cette région est le paradis des millionnaires colombiens qui viennent y construire leur résidence secondaire. Vous pourrez facilement louer un bateau au port de Guatapé pour aller faire un tour sur les lacs, et votre guide se fera un malin plaisir à vous raconter tous les petits potins qui entourent cet univers exclusif. Il vous expliquera que telle maison appartient à une célèbre chanteuse colombienne et telle autre à un footballeur de l'équipe nationale. Mais sur les lacs de Guatapé, on ne trouve pas que des stars populaires, il y a aussi toujours par exemple des narcos qui ont des propriétés sur ces îles. La première qu'on a vue est un grand complexe hôtelier qui appartient aujourd'hui encore aux frères Ochoas, un nom qui dira sûrement quelque chose aux fans de la série Narcos. Et puis le clou du spectacle, c'est bien sûr une ancienne villa qui appartenait à Pablo Escobar lui-même. En fait, il y venait surtout en vacances, mais c'est vrai que la villa ressemble un peu à une petite forteresse. On peut notamment y voir toujours une ancienne tour de garde très impressionnante. Un peu plus loin sur la plage, il y avait aussi sa boîte de nuit privée, et franchement, je n'ai aucune envie de savoir ce qu'il s'y passait. Aujourd'hui, la villa est à moitié détruite, puisqu'elle avait été attaquée par l'armée colombienne dans une énième tentative de capturer le baron de la drogue. La villa est cependant toujours interdite d'accès, puisque c'est une propriété privée qui appartiendrait à ses nièces. Que a Pablo Escobar se le respecte. En dehors de Guatapé, il y a peut-être encore deux endroits que je pourrais vous présenter dans les alentours de Medellín. Déjà, la ville de Jardín, réputée pour être l'une des plus belles villes de la région avec ses maisons colorées. Vous pourrez notamment aller vous balader sur les collines alentours ou alors aller visiter une grotte avec une cascade intérieure qui a l'air magnifique. Et enfin, pour encore plus de nature, vous pourriez vous diriger en direction du Rio Claro. Cette réserve naturelle se trouve au fond d'un canyon et vous pourriez y faire des sports de rivière comme le rafting et le canyoning, mais aussi vous balader, explorer des grottes et observer des animaux dans leur habitat naturel. Voilà donc pour Medellín et sa région. Je vous propose maintenant de quitter cette ville pour un temps, de prendre un bus pendant quelques heures et de nous rendre dans une région très appréciée par les touristes, la région cafetière de Colombie.
Donc, comme l'indique son nom, la région cafetière, c'est une région dans laquelle on produit beaucoup de café, et notamment le fameux café colombien qui est importé ensuite chez nous en Europe. Cette région est organisée autour du parc national Los Nevados, dont je vais vous reparler un petit peu plus tard dans la vidéo, et il y a trois villes qui vont principalement nous intéresser, Manizales, Pereira et Salento. Bon, déjà, je vais pas trop m'attarder sur Manizales, parce que des trois villes, c'est celle qui me paraissait le moins intéressant. En termes de distance, c'est la ville qui est le plus proche de Medellín. Et si vous vous arrêtez à Manizales, vous pourrez quand même en profiter pour aller visiter plusieurs plantations de café, et aussi avoir une vue imprenable sur le volcan Nevado del Ruiz, l'un des plus hauts sommets du parc Los Nevados et de Colombie. Pour ma part, j'ai plutôt décidé de m'arrêter dans la ville de Pereira, la plus grosse agglomération de la région. Alors, il faut savoir que Pereira, c'est une ville de commerce avec beaucoup de magasins et très peu d'activités touristiques en soi. Par contre, c'est dans cette ville que s'organisent certaines des plus belles marches à faire dans le parc Los Nevados. Moi, j'en ai fait une de 4 jours et je me propose de vous la raconter. C'est le jour du départ et on se donne rendez-vous avec deux amis qui m'accompagnent au centre de Pereira pour prendre un bus et nous rendre au début du trek. Et en fait, au lieu d'un bus, on se retrouve dans un moyen de transport un peu particulier, ce que l'on appelle en Colombie une chiva. Et une chiva, c'est une espèce d'hybride entre un 4x4 et un bus qui sera capable d'emmener une grande quantité de passagers sur des chemins de terre complètement défoncés en toute sécurité. Ce moyen de transport un peu folklorique et aux couleurs vives était autrefois utilisé un peu partout dans le pays quand il n'y avait pas encore énormément de routes goudronnées. Aujourd'hui, vous verrez plutôt ces véhicules dans des grandes villes qui ont été reconverties en attractions touristiques. Bref, une fois arrivé à bon port, le trek peut débuter. Notre objectif est de relier le restaurant du Cedral à la Laguna del Otum à 3900 mètres d'altitude. Cela représente environ 2800 mètres de dénivelé positif sur 40 km de distance en 3 ou 4 jours. La première journée, la marche est assez facile et nous mène à travers une forêt luxuriante jusqu'au premier refuge très confortable de la Pastora. Enfin, ça c'est sans compter une pluie diluvienne qui s'abat sur nous dès la mi-journée et qui nous force à finir le trek complètement trempé. Une fois arrivé au refuge, le gérant nous explique qu'en fait c'est la même chose tous les jours et qu'il faut s'attendre à se faire mouiller dès midi. Pour éviter ça, on se dit qu'il vaut mieux partir dès le lever du soleil afin de marcher au sec et de pouvoir se reposer l'après-midi quand il fait moche. Bref, c'est avec des habits à moitié secs que l'on entame notre seconde journée de marche, toujours dans cette magnifique forêt d'altitude, mais qui commence à diminuer au fur et à mesure que l'on avance. Durant notre trajet, on prend quand même le temps d'aller voir une ou deux cascades dans une atmosphère assez mystique. Et puis soudain, les arbres disparaissent et s'étendent devant nous d'immenses pâturages où pèsent quelques vaches. On commence à apercevoir quelques maisonnettes de paysans et on se dit que notre refuge n'est plus très loin. En milieu de journée, on arrive finalement au refuge du Jordan. L'ambiance y est beaucoup plus rustique, mais les propriétaires nous accueillent chaleureusement avec une tasse de panela, une boisson typique à base de sucre de canne. Les nuits au Jordan sont froides, nos habits ne peuvent pas sécher et pourtant le troisième jour, on décide quand même de partir à 5h du matin pour aller voir notre objectif final, la Laguna del Otum. Après les pâturages, viennent des plaines désertiques recouvertes de páramo, une plante emblématique des hauts plateaux colombiens. Une fois arrivé à la lagune en fin de matinée, on a à peine quelques minutes pour manger et l'admirer que déjà il faut redescendre car les nuages menacent. On arrive finalement au Jordan sous la pluie pour notre deuxième nuit, histoire de passer une dernière soirée de partage avec nos hôtes. Le quatrième jour, c'est la redescente jusqu'au Cedral, et une fois arrivé, on se repose un peu, juste le temps d'attendre notre chiva pour rentrer à Pereira.
Alors bien sûr, il s'agit de mon expérience. Moi, j'y étais pendant la saison des pluies, ce qui n'était pas très très malin, mais il y a d'autres périodes de l'année où il fait vraiment beau toute la journée. Et peu importe la ville dans laquelle vous déciderez de vous rendre, il y a des marches magnifiques et différentes à faire dans chaque endroit pour aller explorer le parc Los Nevados. D'ailleurs, pour le faire, la plupart des touristes se rendent plutôt à Salento qu'à Pereira. Et Salento, je dois bien vous dire que c'est probablement mon plus grand regret de ne pas y être allé pendant mon voyage. Beaucoup de gens m'ont vanté le charme et le calme de cette petite ville qui est réputée pour être la plus belle de la région. Vous y trouverez facilement des producteurs de café qui seront prêts à vous faire visiter leurs plantations à pied ou à dos de cheval. Salento, c'est aussi l'occasion d'aller faire une marche dans la célèbre vallée del Cocora, un panorama apparemment magnifique qui donne sur des plantations de palmiers géants. Sur votre route, vous pourrez aussi vous arrêter dans un refuge pour colibris et vous familiariser avec ces tout petits oiseaux. Bon, et bien voilà, je crois que je vous ai partagé un peu toutes mes expériences que j'avais sur Medellín et la région cafetière de Colombie. Bien évidemment, le mieux pour aller découvrir ces endroits, c'est encore d'aller voir par soi-même. Mais si la vidéo vous a plu, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à me laisser un commentaire pour me partager vos expériences. La semaine prochaine, je vous emmène dans un endroit magique et mythique qui, moi, me fait rêver depuis mon enfance, le cœur de la forêt amazonienne. N'oubliez pas également d'aller voir les deux premières vidéos que j'ai sorties sur la Colombie. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao !